Ah, Massa, que les qui sont cachés derrière la souffrance de Ahidjo Mamadou. Hey, Meta, en tout cas, les gars, ne prenez pas ça dans ma bouche. Nous allons écouter ensemble Ben Benji de Benjo. Papa, écoutez, c'est fort. Ben Benjo, Benjamin de Benji. C'est une vidéo triste que je vais avoir fait. Vous comprendrez que en tant qu'humain, je me dois de la faire, cette vidéo. Notre frère Ahidjo Mamadou est dans un état critique au CHU. Quand on dit qu'il est en état critique, vous n'avez même pas idée. C'est même très peu le dire. Il est à l'article de la mort. Les médecins refusent de se prononcer parce que ils ont pitié de nous. Mais dans leur attitude, et certains sont même certains d'une issue vraiment pas favorable. À toutes les personnes qui ont une influence sur Ahidjo Mamadou, à ces personnes qui le côtoient, à ces personnes en qui il croit encore, les personnes qui peuvent lui dire quelque chose, je vous prie de ne pas laisser Ahidjo Mamadou mourir sans se confesser, sans confesser deux ou trois choses. Parce que quand on a vécu sur terre et qu'on n'a pas expié tout et qu'on ne s'est pas libéré ici, je suis convaincu que le chemin sera très très difficile quand on traverse. Beaucoup de Camerounais et les artistes camerounais comprennent ce que je suis en train de dire. Beaucoup comprennent ça. Nous sommes des Bantous. Nous sommes traditionnaliste. Lui-même, dans une vidéo qu'il a faite le 15 février, une publication qu'il a faite le 15 février, et j'en ai longtemps discuté avec lui, il m'avait dit qu'il y avait trois personnes. Donc, je vais même me permettre de citer les noms. Hein. Je ne sais pas, à notre âge, si on devait encore avoir peur de certaines choses. Ama Pierrot, Monsieur Ambroise, Katino, ces trois personnes. Il m'avait dit que c'est les trois personnes-là qui lui veulent la mort, qui cherchent à le tuer, ou bien qui l'ont empoisonné. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes font semblant de venir, de vouloir lui venir en aide. Quand un homme de ton âge dit un truc pareil, c'est très très dur, très très compliqué. Ahidjo est allé partout à l'est, dans le village de Son, partout voir tous les marabouts de la terre. Il faut qu'Ahidjo rencontre un prêtre ou un pasteur. Il faut qu'Ahidjo fasse comme Katino. Vous vous souvenez que Katino avait confessé, c'était confessé, on a dit tout ce qu'on a voulu. Mais quand vous regardez Katino, Katino n'a pas de problème. Katino n'a pas de problème. Nous sommes Bantous. Pesez de tout votre poids. Dites à Ahidjo de parler. Dites à Ahidjo Mamadou de parler. Qu'il dise, qu'il se libère et qu'il libère les gens. Il ne doit pas partir en laissant ce vide. En mettant trois personnes, leur carrière, entre guillemets. Ahidjo, il faut t'exprimer, libère-toi. Pardon, tu sais comment toi et moi avons vécu, mon frère. À Paquita, tu avais ton petit restaurant, tu ne chantais pas encore. Ahidjo, je t'accompagne au camp de l'unité. Regardez les boxeurs, jusqu'à ce que tu commences à aider en boxe pour devenir un boxeur. Ahidjo, rappelle-toi de notre âme, comment on a vécu. Tu ne dois pas partir comme ça, tu ne dois pas. Je t'interdis de partir comme ça. Ahidjo, parle, Kobgo, parle.
parle, parle et libère-toi. Libère-toi, libère les gens. Quand j'ai fini de dire ça, famille, vous avez compris aussi comme moi. En tout cas, le grand frère Benji a dit que, à son âge, on n'a plus peur de rien. Ça veut dire qu'il sait ce qu'il dit. Nous, non, seulement là, on écoutait. Mais ce qui est... Bon, il n'a rien dit concrètement de ce que ces trois noms qu'il a cités là ont fait. Parce que lui-même, il dit qu'il ne sait pas. Et que c'est Aïdjo Mamadou qui l'avait raconté. Quoi, 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 quoi. Tout ce que je peux dire, parce que c'est sympa comment on commente le genre de vidéo aussi. Vous-même, vous allez me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire, les gars. Tout ce que je peux dire, selon moi, le showbiz est compliqué. Le showbiz a les dents. Les amis, merci de partager la vidéo. Si tu es nouveau sur ma page ou sur ma chaîne, tu n'ignores rien. Abonne-toi. C'est toi, Général Franco. Ciao. Bienvenue à l'Institut de beauté de Mana House. Le Mana House ouvre ses portes à tout jeune passionné de la beauté. Le Mana House est le meilleur centre de formation en esthétique, coiffure mixte et autres. Pour les tout petits qui souhaitent apprendre à jouer à la batterie, au piano, à la guitare ou encore chanter, rendez-vous chez Mana Music. Le Mana House est situé à Bafoussam, près du complexe Saint-James, quartier de l'Incense.